bien. Oh là là, ça fait vraiment bizarre de revenir après tout ce temps sans avoir vlogué. Alors évidemment, je vais pas, enfin, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Je pense que je vais d'abord mettre cette petite vidéo. Je sais pas encore comment je vais faire. Si je fais un vlog de ma journée ou si je fais juste une petite vidéo pour vous expliquer. Et ensuite, je mets les vlogs que j'ai pas mis, que je dois mettre. Parce qu'en fait, j'ai des vlogs que j'ai pas encore montés, que j'ai pas encore montés et que. Ouais, enfin, ouais, tout simplement que j'ai pas encore monté et que j'ai pas. Et que j'ai pas. Je vous ai pas posté tout simplement du coup. Et en même temps, j'ai tellement de choses à vous expliquer. Je sais même plus du coup de quand date mon dernier vlog. De quand date mon dernier vlog. Je pense que c'était. Enfin. Ça devait être vraiment début janvier, je pense, ou fin décembre, j'imagine. Enfin, je vais voir. Mais je me voyais pas en fait les poster comme ça sans venir avant vous expliquer un peu ce qui s'était passé, même si bah, heureusement Chris est venu mettre des nouvelles sur ma chaîne. Je voulais quand même bah, vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Et puis en même temps là je peux encore pas non plus trop enfin comment dire je peux pas encore je suis encore assez fatiguée là par exemple voilà je change de bras parce que rien que le fait de tenir ça me fatigue. Mais bon, enfin, ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois. Il y a quelques mois, je tenais même pas assise comme ça. Donc, voilà. Mais voilà, je vais essayer de vous expliquer peut-être dans ce vlog. Et ensuite, je vous mettrai soit je sais pas, je vais voir en fait, parce que comme les vlogs sont pas montés et que je suis encore assez fatiguée, je vais essayer de faire ce vlog là que je suis en train de faire assez court pour vous le monter assez rapidement et comme ça pour que vous l'ayez assez rapidement. Sachant que les autres vlogs sont un peu plus longs et que je les ai pas encore du tout montés et que pour vous dire depuis janvier, enfin depuis février, j'ai dû aller 3 fois sur l'ordinateur et trois fois. Enfin, à chaque fois, je suis pas restée longtemps du tout. Enfin, c'était pas pour faire du montage ou quoi. C'était vraiment. Enfin, voilà. Donc, du coup, je vais voir. Mais là,
J'avais vraiment envie d'essayer de reprendre et voilà. Parce que vous me manquez et je sais que je vous manque aussi. Enfin, je sais qu'il y en a qui attendent que je revienne sur ma chaîne, vous donner des nouvelles et tout ça. Sachez que je lis. Ces derniers jours, j'ai pas pu le faire, mais je lis assez régulièrement les commentaires et ça me touche vraiment beaucoup. Vos messages et vos commentaires, même si j'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde, parce que, comme je dis, je suis encore assez fatiguée. Là, par exemple, hier, c'était pas du tout la grande forme. En fait, ça dépend des moments. Voilà, je suis vraiment pas en état encore de pouvoir être trop sur les écrans et tout. Et voilà, d'autant plus que je me suis fait vacciner il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours. J'ai eu la deuxième dose il y a quelques jours et je pense que j'ai vraiment très mal supporté. Et je pense que là, c'est ça qui là m'a encore mis un peu à plat. Donc je pense que ça devrait aller mieux dans les prochains jours, mais c'est vrai que là, il y a des moments où je suis vraiment pas très bien. Du coup, j'ai oublié de vous dire, on est le 23. Oui, on est le 23. On est le 23. On est le 23. On est le 23 juillet 2020. Et là, il doit être. Il est 9h. Juste petite pause. On n'était pas le 23 juillet 2020, mais le 23 juillet 2021. Voilà, je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte de mon erreur, donc voilà, je vous remets, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Désolée. Donc là, je vais ce que je ferai de toute façon, c'est que même si je poste ce vlog avant les autres, de toute façon, pour pas que vous soyez perdus, je mettrai tout au long du vlog, je mettrai la date qui s'affichera tout au long du vlog. Et pour les prochains vlogs qui sont en fait avant celui-là, que je posterai après. Enfin, ce que j'ai fait avant, mais que je posterai après. Je sais pas si vous suivez, je suis désolée. Ce que je vais poster après celui-là, mais que j'avais fait avant, c'est pareil, je mettrai la date tout au long pour que vous soyez pas perdus en fait dans les vlogs. Et puis je referai une intro pour vous dire que voilà, on est bien, enfin on est tel jour, mais que le vlog a été fait tel jour, et enfin voilà, je sais pas si vous avez compris, mais je pense que vous allez comprendre quand je le ferai, enfin voilà. Donc là, du coup, je vais essayer de pas faire trop de bruit, et puis là-bas, il y a Monsieur Cookie. Alors ma chambre a assez changé parce que du coup, pardon,
Du coup, il y a. Je vous montrerai après. Bon, oui, moi je suis chaud. On a installé un bureau, mais en fait, bah, pour l'instant, j'ai pas de chaise. Donc, faut juste que je trouve une solution pour ça. Mais du coup, je vous montrerai après parce que, bah, là, il est un peu. Enfin, on est revenu de vacances hier. Enfin, de chez ma mamie. Enfin, les vacances. Enfin, oui, les vacances, mais c'est chez ma mamie. On est revenu hier et bah, comme je disais que j'étais pas bien, du coup là on a tout posé là et il faut que je range un peu donc du coup là pour l'instant c'est un peu tout en bazar et du coup voilà, il faut aussi que je refasse le pansement de ma sonde parce que là il est vraiment temps que je le fasse et voilà. Mais là, je vais aller leur donner à manger parce que ils réclament pas trop, mais bon, je vais quand même le faire parce que ça évitera qu'ils aillent réveiller mon papa qui dort parce qu'il travaille ce soir. Donc, s'ils pouvaient éviter de le réveiller, ce serait pas mal. Donc voilà. Bon, alors. Du coup, je vais, je vous laisse et puis je vais vous retrouver à la cuisine et comme ça, bah, parce qu'il faut que je me tienne pendant que je marche là, en fait, enfin, je vous expliquerai après. Je vous retrouve tout de suite. Avec ma voix. Je sais pas. Bah, enfin, c'est habituel, hein, ça me fait ça assez souvent. Je sais pas trop pourquoi. C'est juste chiant, mais enfin, c'est pas grave, mais c'est. C'est juste que, bah. Je verrai au montage ce que ça fait, mais c'est
C'est juste que moi, quand je m'entends parler là, j'ai l'impression d'avoir la voix, une voix bizarre en fait. Mais bon, c'est pas dramatique. En fait, je vous ai pas repris parce que, du coup, en fait, je me suis levée. Et en fait, je suis allée à la cuisine pour dans le but de donner à manger au chat. Et bah en fait, Cookie, il était avachi sur mon lit, il m'a pas suivi. Iris, je voulais filmer. Elle dormait sur la petite table et je l'ai caressée. J'ai réussi à la caresser. C'est un miracle. Si demain il neige pas, c'est que. Enfin, c'est un miracle. C'est. Enfin, je dis ça parce que vous connaissez Iris. Et puis Amaya, je l'ai pas vue, mais je pense que, enfin, j'ai pas fait attention, mais je pense qu'elle était, elle devait être sur, on a deux espèces de, je sais pas comment ça s'appelle là, mais vous savez, c'est des espèces de hamacs qu'on accroche. Sur les radiateurs et bah, elle se met, enfin les chats peuvent se coucher dedans en fait. Et au départ on en avait un et en fait mes cousins ils ont perdu leur chat et ils en avaient un aussi et du coup bah, ils nous ont donné ils nous ont donné leur hamac. Du coup maintenant on en a deux. Enfin bon bref du coup je pense que enfin Amaya, elle va tout le temps dans un des deux. Et je pense qu'elle devait être. Elle devait y être. Et ce qui fait que, bah, au final, quand je suis allée à la cuisine, bah, déjà, je me suis pas sentie très très bien. Mais bon, je l'aurais fait quand même. Mais en fait, personne m'a suivi. Enfin, les chats se sont pas rués vers moi comme d'habitude pour manger comme quand ils ont faim. Et puis en plus, comme on vient de rentrer, tout ce qui est croquettes et pâtés et tout, je pense que. Enfin, après, j'ai pas regardé, j'avoue, mais je sais pas si mon papa. Il y avait déjà rangé, remis là où ça va. Parce que, enfin, en tout cas, j'ai pas vu les pâtés. Donc, enfin, au final, j'ai pris du jus de fruits. Et j'ai dû rester peut-être 5 minutes à la cuisine et tout le temps que j'étais à la cuisine, bah, il n'y a aucun chat qui est venu réclamer quoi que ce soit. Donc du coup, je me suis dit que je leur donnerais un peu plus tard ou que mon papa leur donnerait quand il serait réveillé. Parce que en fait, j'avais un peu la tête qui tournait et enfin, j'étais pas très bien. Et du coup, bah. Je me suis rallongée et puis j'ai là je peux plus manger en fait c'est depuis enfin c'est pas nouveau ça fait déjà un bon moment mais il y avait une période où j'arrivais quand même un peu mieux à manger et mais là depuis fin décembre, je peux plus du tout manger. En décembre, j'avais réussi à manger un peu, mais j'avais vraiment pas faim. Enfin, c'était vraiment compliqué.
Et pourtant, j'avais envie parce que, ben voilà, Noël et tout, ben, tout ce qu'il y avait, ça me donnait envie, mais j'y arrivais pas. J'avais envie, mais ça passait pas. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de poids depuis fin novembre. Depuis novembre, ouais, j'ai perdu énormément de poids. Au final, je sais plus si j'avais vlogué et tout, parce que c'est vrai que déjà, fin 2020, j'étais pas bien. Fin 2020, ouais, j'étais pas bien. Et après, bon, bah, il y a eu ce qui m'est arrivé en février, je vous en parlerai plus tard. Mais du coup, entre fin décembre et début février, je me rappelle vraiment pas si j'ai vlogué, mais je suis vraiment pas sûre. Je sais que j'ai fait des lives, mais vloguer, je me rappelle pas. Par contre, du coup, j'avais la sonde. Et au départ, l'idée, c'était que, bah, comme j'avais au départ, j'étais quand même en surpoids. Faut pas, enfin, on va pas se mentir. J'avais, enfin, l'année dernière, bah, l'été dernier, quand j'étais hospitalisée, on m'avait donné un traitement et qui m'avait fait prendre énormément de poids. Alors que pourtant je mangeais pas plus que ça, enfin je veux dire, c'était une période où j'arrivais à manger un petit peu, mais enfin voilà, c'était pas non plus, c'était pas assez non plus pour être assez en forme. Mais c'est surtout, c'est le traitement qui a fait que j'ai pris beaucoup de poids. Du coup, là, après, bah, je l'ai arrêté, ce traitement. Et puis, bah, du coup, quand j'ai vu que j'arrivais pas à manger, du coup, on m'a prescrit, bah, la sonde et puis bah, le matériel, la pompe et tout ça. Et puis, je me suis dit que j'allais pas prendre les poches tout de suite. Parce que bah, dans mon cas, je me voyais mal prendre des poches alors que clairement, à un moment donné, j'étais en surpoids en fait. Donc, ça aurait pas été, enfin, ça aurait pas vraiment eu de sens, dans le sens où être alimenté par des poches, en étant en surpoids, bah, enfin, ça a pas de sens, quoi.